Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Très bien j'espère. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir le son CH. Alors, regardez cette image. Comment il s'appelle cet animal-là? Très bien, c'est un chat. Alors, je vais écrire un chat. Suivez au tableau, j'écris un chat. Je prends la couleur pour que vous compreniez de quel son il s'agit. Le son CH. Un chat. Bien, les enfants. Un chat. Quel son vous entendez quand je dis un chat? Chat. Ch. A. Très bien. La lettre son CH. Le son CH. Alors, nous allons écrire le son CH dans la ligne. Suivez bien en cursive, bien sûr, puisque nous savons écrire en cursive. Alors, j'écris le son CH, mon petit trait oblique. Et sachez que le son CH, c'est la lettre C et la lettre H associée, qui donne le son CH. Alors, je reprends encore, puisque je viens de dire la lettre C et la lettre H. Quand vous regardez dans l'alphabet, alors, la lettre C, regardez bien, la lettre C et la lettre H, mais en cursive. Suivez bien. Alors, j'écris ma lettre C d'abord, le petit trait oblique. Je respecte toujours la ligne, je fais la courbe qui rentre dans la ligne sans dépasser. Ensuite, je prends, je continue avec ma lettre C pour monter, redescendre en trait, petit trait vertical. Je remonte et je forme mon H. CH. Le son CH. Encore. Le son CH. Très bien les enfants, le son CH. Alors, nous disons ensemble. Très bien. CH. CH. Très bien. CH. Alors, à partir du son CH, vous allez me trouver des mots que je vais écrire au tableau avec le son CH. Bien, je vous écoute les enfants. Dites-moi des mots avec le son CH. Quand papa s'habille, qu'est-ce qu'il porte sous la veste? Très bien. Une chemise. Alors, je vais écrire chemise sans l'article. Alors, chemise. Alors,
Qui connaît le nom de cet animal-là? Bravo les enfants. Un chameau. Alors j'écris le mot chameau. Chameau. C'est bien les enfants. Chameau. J'écris le mot chameau.